On est à Capal devant une saisie de 5 tonnes de poissons. J'ai un sentiment, disons, de tristesse, parce que quand je regarde la prise, je vois beaucoup de petits poissons. Ça veut dire que la chalutier en question, qui est un chalutier qui est venu depuis la Guinée équatoriale, qui a pêché illégalement dans un parc marin ici au Gabon, a superposé les filets pour prendre tous les petits poissons. Donc pas seulement ils ont pris les poissons qui sont bons à manger, mais ils ont pris les futures générations de poissons qui fait qu'ils sont en train de détruire le potentiel de nos eaux ici au Gabon. Ces 5 tonnes ont été récupérées, réquisitionnées dans un chalutier que nous avons arraisonné le week-end précédent. Et cet arraisonnement nous a permis de constater que pour la quatrième fois, ce chalutier bâton pavillon de Guinée équatoriale avait donc récidivé. C'est la quatrième fois qu'il vient de façon illégale pêcher dans nos côtes. Et là, il s'agit particulièrement du parc Mbagné, qui est un parc protégé, comme son nom l'indique. Et nous avons choisi donc de procéder tel que le code de pêche le prévoit à la distribution aux orphelinats de cette exploitation. C'est une joie pour nous d'avoir reçu ce poisson. Et nous remercions aussi le ministre de la Pêche et de la Mer d'avoir pensé à la Maison de l'Espérance.